Ouais, c'est bon, je le sens là. Ouais, je suis chaud, mets en route le stream. Ah, c'est bon là, c'est bon, je suis chaud. Wouh, bonsoir et bienvenue, il est 19h, c'est l'heure du stream. Et ce soir, on retourne encore dans un de ces numéros qui vont étoffer notre collection et cette exploration quasi archéologique dans l'univers du shmup. Ah, faut que je respire. Et donc, je vous ai trouvé encore un jeu rétro, mais pas n'importe lequel, quoi. C'est-à-dire qu'on parle d'envahisseur. Je sais pas si ça vous met la puce à l'oreille. On est en 1985 en plus. Et les générations précédentes d'envahisseurs ont laissé des traces indélébiles sur toute cette jeunesse innocente qui s'est fait captiver son attention et désormais n'est plus tournée que vers les écrans alors que les grands espaces autour d'eux. Mais je m'égare. Return of the Invaders, donc jeu de 1985 que nous allons mirer tout de suite. Avec un fail d'intro comme d'hab, hein, sinon. Oh merde, il y est pas. Oui, mais j'ai dit un gros mot quand même. C'est pas très gentil. Alors, regardez-moi ça. Du petit bon vieux travail de bitmap 8 bits, bah, pile de l'époque, hein, 85, c'est ça. Un an de plus, et l'Amiga sortait. Alors, Taito, donc c'est vraiment une licence officielle, c'est pas une espèce de repompe inspirée. Qu'ont-ils essayé de voulu faire oui, qu'ont-ils essayé de faire avec ce reboot que je n'ai jamais expérimenté? Allons le savoir tout de suite après un flash info. Oui, bah. Je sais que vous savez que j'ai pas de pub. Donc voilà, alors déjà, la musique, on oublie. Oui, non, mais non. Ça ne va pas le faire. Alors il y a des tirs qui se cancel et je présume que les bleus ne se cancel pas, sinon il n'y aura aucun fun. Maintenant, faire tomber un petit bonus, ça lui arracherait peut-être la gueule, mais à moi non, ça me ferait plaisir. Toujours cette limitation de tir et tant que c'est pas passé, consommé ou sorti de l'écran, c'est dans l'écran, hein. Et t'es dans ton écran. Alors, merde, putain, les verres ils crachent vite, quoi. Donc vous avez une jauge. Et non, pas de la jungle, désolé les amis. On n'est pas dimanche. Une jauge qui vous permet d'évaluer l'état de vos bunkers de protection sur lesquels il faut compter, car certains petits canaillots ont tendance à être... Regardez-moi les verres là-haut, j'ai pas compris ce qui leur prend. Sous quel prétexte m'envoie-t-il une prune à la vitesse de l'éclair? Apparemment, ça se prend ça? Je sais pas. Moi, il y a des trucs dans les jeux, je ne comprends pas, ce n'est pas explicite, il me faudra un manuel de 17 pages pour piger le concept de ce titre, qui me paraît bien étrange. Oh, les énervés. Alors quand il fait ting, tu te barres, quoi. Ting. Ting. J'arrive même pas à le shooter. Ah, il a pas fait ting. Mais oui, mais... Le pros audio, c'est pas un truc pour du THX, quoi. Et même pas, il se crash. Mon dieu, Taito, qu'as-tu essayé de faire? Je ne comprends pas. Alors, on me dit qu'au chrono, on n'a pas les 5 minutes légales. Donc j'ai amené un sandwich que je vais manger devant vous. Ça ne marche pas. Monde injuste. Allez, je suis l'homme le plus classe du monde et je vous refais une partie. Mais vous le sentez dans mon timbre de voix. La conviction est tenue loin de moi, apparemment. Ce jeu est-il bien? Il y a des couleurs. Bon, c'est bien, ça fait la promo du jeu en couleurs. Ceci dit... pas la grosse extase, quoi. Puis alors ce principe des deux tirs, un principe éculé, hein, je vous le rappelle. Eh oui. Les éculés sont souvent en bande, d'ailleurs. Oh là là, regardez-moi ça, le shoot au vol. Oui. Bah on comprend mieux qu'en fait, les Space Invaders, ils soient passés à autre chose et que la licence était un petit peu oubliée, qu'on les ressorti juste pour faire tourner un petit peu le fond de tiroir. Ça se prend, ça. Je ne sais pas, je n'ai rien compris, je ne lis pas ce langage étranché, qui est à base d'idéogrammes et de mauvaise foi évidente. Leur jeu n'est pas génial. Non. Ça se prend ça? J'ai pas pu le prendre. Je te dégomme en priorité, tu es méchant. Tu es la peste noire à toi tout seul.
Oh, le ralentissement, ça ne fait pas très pro. Tendu. Est-ce que ce jeu est validé? Pff, non, 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 non. On va le foutre à la malle au grenier. Parce que c'est le genre de jeu où on n'a qu'une envie une fois qu'on s'en est éloigné. C'est l'oublier. Parce qu'il a rien, quoi. Il n'y a rien. Ça reste encore des extraterrestres assez cons pour se cantonner à faire des zigzags en écran et qui ne servent à rien. Soyons honnêtes. Ils font peur à personne, ils amusent personne. Ils ont des bouilles rigolotes, mais qui ne le sont pas tant que ça, puisqu'ils ont même pas des bruitages géniaux. Ça me semble être la grosse erreur à la base de ce soft, puisque le même jeu, avec des bruitages complètement tordus, je pense que ça aurait fait marrer les mioches, et ils auraient peut-être même aimé. Mais là, no way, quoi, les gars. Bon, je dis ça parce que je suis un adulte, certes, et je lui garantis même mioche, je pense que j'aurais eu des réflexions pas très loin de ça. Genre oui, ton jeu il est minime et il m'emmerde. Et là, vous, pour une fois, vous attendez votre bus et vous êtes content qu'il arrive en avance. Ah mais t'as pas fini ta partie. Ouais mais non, vas-y, continue à ma place. Je te laisse tes crédits, tiens. C'est exactement ce qui va se passer dans ce stream. Oui, le premier stream où je n'ai pas épuisé mes crédits. Et je laisse le jeu et je m'en vais. Je prends mon bus. J'arrive. Allez, je vous dis rendez-vous à demain, 19h. Allez, je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Hein. Celle généraliste, je gagne là, c'est bon. Celle généraliste et celle de... Celle des chemins. Ciao. Allez.